Yo tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui, vidéo où on va faire une telle, entre guillemets, bon cette telle est un peu bizarre, mais on va dire que tu verras ça passe crème, en vrai on n'a rien vu les gars. Bref donc telle, pour te dire qui montait en priorité dans ta box, donc quand je dis monter en priorité et ainsi de suite, on va dire c'est pour monter level 90 et sa 5, ok. Bien évidemment c'est une vidéo DJ pour les débutants. Les joueurs qui jouent depuis très longtemps savent que bah tu dois monter tous tes personnages dans ta box pour avoir un maximum de CP box. Enfin bref les gars, c'est vraiment une vidéo dédiée pour les débutants, les mid game players, on va dire les non tryharders, parce que vraiment monter toute sa box, bah c'est juste pour la CP box, au final ça sert à rien à part flex sur des discords pardon, ou gagner des guerres de guild si tu fais égalité, bref tu connais. Je vais pas te parler de Guild Wars dans cette vidéo, enfin il y a quand même une case Guild Wars, hein, j'ai quand même mis la case. C'est quand même intéressant de la mettre hein, les gars, parce qu'il y a des personnages uniquement utiles en guerre de guild. Si tu ne fais pas le mode de jeu, bien évidemment tu vas pas monter les personnages, ok. Ça va toi. Donc voilà, donc sans plus tarder, vidéo un peu comme hier, où en gros je vois le personnage, je le mets, je te donne quelques explications, c'était compliqué à dire ça les gars. Et puis voilà, tout simplement, sans plus tarder, let's go. Donc premier perso, Estarosa Rouge. Ok, Estarosa Rouge, c'est un personnage orienté Guild Wars. Donc voilà, le nom l'indique, uniquement Guild Wars. Si t'en fais, monte-le, en vrai c'est un très bon perso en défense. Ok, et encore, ça dépend si t'as QO, etc. Tout dépend. Ok, Estarosa Vert, personnage très très intéressant en démon Belmos et aussi en PvE. Pas en priorité malheureusement parce que c'est un personnage qui est de moins en moins utile dans le jeu. On va dire que les personnages actuellement qu'on a, il est plus trop utilisé en PvE, mais c'est toujours très très fort. En PvP aussi très très bon. Ok, Hélène Rouge. Donc pour le démon Crimson, uniquement si tu veux être optimisé en CP, mais ça sert à rien les gars, honnêtement ça sert à rien. Pareil Jaina, c'est exactement pareil. On va dire les druides, c'est uniquement pour les démons, pour de l'optimisation. Mais vraiment, ou à la limite je peux mettre... Oh, non, tu sais quoi, je vais mettre là. En vrai non. On va mettre là, faire en dernier, genre on s'en fout en fait. C'est pas de l'optimisation, c'est une optimisation CP, donc on s'en fout. Ok. Derriri Verte, uniquement à l'heure actuelle utile pour tout ce qui est démon Belmos. Donc on va dire à 1m90 et sa 5, c'est uniquement pour de l'optimisation, level 80, ça passe tranquillement honnêtement les gars. Donc ouais. Derriri Rouge, mais après les priorités, voire priorité oh non, c'est quoi ici. Elle est de moins en moins utile, en vrai à l'heure actuelle on n'a plus trop de boss à one shot. Les BDG, maintenant, on l'utilise de moins en moins, à part sur Kelak et Akumu. Ok, mais c'est bah, c'est toujours un personnage utile. Après, la mettre level 90, si t'as un gros tryhard de BDG, franchement, ça dépend. Mais moi, je te conseille de mettre 90 pour faire un maximum de points. Ça sera plus compliqué pour le BDG, mais après, pour SPVE, c'est mieux, hein, forcément. Pour le PVE, les mobs dans le futur, one shot, tu connais. Ok. Melaskula, vraiment, à l'heure actuelle, son utilité, c'est plus guerre de guild. En PvP, tu la vois plus trop. Dans les team AM, tu la vois même plus même. Ok, donc guerre de guild. Galan, c'est exactement pareil. Ou optimisation démon, mais la plupart du temps, tu vas l'utiliser en Guild Wars. En démon Crimson, la strat 4 tours, fallait pas trop utiliser par la communauté. Donc en vrai, skip. On va dire. Estine Bleue. On va dire elle est là pour de l'optimisation, même si c'est pas très très utile honnêtement. Ban ça sert à rien, le démon en vrai t'en as plus besoin pour le démon rouge. Mono les gars. Mono, c'est compliqué les gars de la noter elle par contre. Je vais la mettre là du coup à faire en dernier, parce que là c'est uniquement pour les personnages avec leur passif. Arthur. On va Arthur les gars, c'est pareil. Élevé. Élevé en fait ça dépend, pardon, en fait ça dépend ta box. Si tu la spécis, bien évidemment en priorité parce que c'est un très très bon personnage farming, etc. Mais si tu la P1, je le mettrais peut-être ici. Moi personnellement je vais le mettre ici, tu sais quoi. On va dire même si tu la P1, tu peux farmer avec. C'est ultra broken les gars, c'est incroyable. Élevé tu connais. Utile uniquement en PvE en ce moment. Après il y a quoi, ouais, farming comme je t'ai dit. Donc ouais, côté PVE quoi.
Mais excellent, hein, vraiment excellent les gars pour tout ce qui est contenu difficile. Après, il faut avoir une grande... On va dire, il faut avoir SP4 minimum pour qu'il soit utile. Voilà, tout simplement. Fraudrine vert les gars, guerre de guilde, mon speed, je réfléchis, ouais, mon speed, guerre de guilde aussi. Fraudrine, ne le monte jamais, parce que son passif, tu connais, quand il meurt, il donne 5 jauges d'ulti à tout le monde et il cleanse tout le monde. Donc ouais, personnage très très intéressant. Il faut qu'il meure en premier, donc forcément, ne le monte pas, ok. Roxy, les gars, en vrai, en Guild Wars, elle est plus trop utilisée en ce moment. Mais tu sais quoi, je vais quand même le mettre ici. Elbram, voilà, on s'en fout. Zarathras, c'est uniquement de l'optimisation de démons. Level 80, ça suffit honnêtement. Zeldris, on s'en fout. Benimaru, on s'en fout. Glox, Guild Wars en ce moment. Shin, les gars. Honnêtement, Shin, je le mets ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, Shin, c'est l'un des meilleurs farmeurs du jeu. Et vraiment, si tu l'as, monte-le directement. J'aurais pu le mettre ici, honnêtement. Mais c'est pas de l'optimisation, les gars. En fait, c'est... Il faut le monter 90 et ça 5. Moi, je l'ai pas fait parce que j'ai la flemme. Mais fais-le directement, genre. Vraiment, fais-le directement. Ok. Ouais. Matrona, c'est plus de l'optimisation. J'aurais pu mettre... BDG ici. Ok. BDG optimisation. En vrai, non, attends. Peut-être que je vais modifier la case. Ça va être plus simple pour moi. Attends, je reviens. Ok, du coup, les gars, j'ai edit pour... j'ai rajouté optimisation CP. Parce que des fois, t'as des personnages, c'est intéressant de les monter uniquement parce qu'ils sont en sub. Et c'est pour gratter de la CP, tout simplement, les gars. Et sinon, ouais, j'ai rajouté, BDG pour, par exemple, Matrona. Ok, donc, démon, PVE, farming, BDG, optimisation. Ok, mais c'est pas forcément utile. Voilà, Hawk, on s'en fout. Elisabeth Godès, forcément, priorité, hein, tu connais le personnage. L'un des meilleurs personnages du jeu, ultra toxique, broken. Tu connais, hein, on est là. Zedris rouge. Honnêtement, les gars, après les priorités, je pense. Oh, ouais, je sais pas. En fait, ça dépend de ta box, mais quand tu commences ce jeu en débutant, tu l'utilises pas trop. Tu sais quoi, je vais le mettre ici parce que avant, on l'utilisait plus. Maintenant, c'est de moins en moins utilisé, Zedris rouge. C'est plus, on va dire, utilisé en Guild Wars. Ok, mais c'est quand même toujours utile en PvE, etc. En sub, tu connais. Droll vert, c'est pareil. Très, très bon personnage. Plus orienté PvP, on va dire. PvE, tu vas pas trop l'utiliser. Aussi excellent en Guild Wars, bien évidemment. Jhin, uniquement optimisation BDG. Eren, on s'en fout. Mikasa, on s'en fout. Kayn, on s'en fout, les gars, honnêtement. Levi, on s'en fout. Eren, on s'en fout. Valentine. Valentine, je la mets ici, mais si tu veux faire du score, par exemple, c'est dans le super boss Ban Hélène. Forcément, je vais devoir la monter. Estine. Ouais, Estine, les gars. Ouais, à part en Guild Wars, mais bon, elle est pas utile, quoi. Hein, genre. Ouais. Moi. Faut avouer, dans le bleu, les gars, je ne sais pas où le mettre, honnêtement. Ah les gars, c'est compliqué, hein, genre c'est... quand tu commences le jeu, tu sais quoi, ça dépend avec la team Margaret aussi. Après, dans le bleu, les gars, c'est tellement important à l'heure actuelle, tu fais un peu tout avec le personnage. Très très bon tank, honnêtement, je vais le mettre ici, les gars. Personnage très très intéressant en Guild Wars, même ultra OP avec la team AM en attaque. En PvE, il y a moyen de faire des trucs maintenant avec Margaret. Ok, PVP très très fort avec Margaret. Tu connais si t'as regardé mes vidéos. Vraiment les gars, dans le bleu, valeur sûre. Tout simplement. Gerard, en vrai, c'est plus. C'est étonnant, mais c'est vraiment axé Guild Wars en ce moment. Elle est méta sur la JP. La globale, je ne sais pas. Bon, la limite, tu peux la mettre ici. Optimisation BDG aussi. Ouais, tu sais quoi, je vais la mettre ici. Ludociel, tout dépend de ta spé. Honnêtement, je le mettrai ici. Tu vois, c'est pas un personnage à l'heure actuelle que t'as besoin, honnêtement, même si tu l'as spé 6, jouer des teams nuke, donc des teams, on va dire, pour one-shot rapidement, c'est toujours fort, mais le personnage se fait out-CP en difficulté maintenant, donc en vrai, ouais, je sais pas, tout dépend de ta spé, mais en vrai, si tu l'as spé 6, t'es un gros joueur PVP, bien évidemment,
tu mets 90 directement ou même un gros joueur Guild Wars. Hein, c'est... En défense, c'est trop broken, même si tu l'as SP3, SP4. Hein, tu connais si tu joues en Guild Wars, mais moi je mettrais quand même Lutch pour un débutant, on s'en fout un peu. Ok, Waylo, on s'en fout. Camilla, c'est optimisation BDG saison 4. Lui, on s'en fout, on s'en fout. Lui, c'est du farming, ok, donc la team farming avec Shin et Gozorver et Alioni en sub ou DP. Ok, Kingfest maintenant c'est uniquement Guild Wars. Si tu l'as SP4 minimum, voire SP5, je pense que le meilleur c'est SP5 quand même. C'est uniquement pour les teams suicides, ok. Mono, je la mets ici même si c'est utile pour des super boss. Lilia, ouais, ici, Mai, ok. Guild Wars, Kyo, honnêtement les gars, Kyo, priorité. Si tu l'as, monte-le directement. Vraiment, Kyo, les gars, c'est incroyablement cheaté. Dans ma vidéo Stuffer, je t'avais dit de lui faire un Stuffer. C'est incroyable. Genre vraiment, Kyo, les gars, c'est trop cheaté. Rugal, uniquement Guild Wars. Shinru, je s'en fous. Roxy. Roxy, les gars. Honnêtement, je la mettrais ici pour du farming. J'ai vu des nouveaux joueurs farm avec. On va dire c'est ok, mais c'est pas non plus folichon. Jhan, on s'en fout. Gozorver, les gars. Gozorver, forcément, priorité. Je le mettrais même au début. Hein, c'est quoi? Hop. Voilà, comme ça, c'est mieux. Tarmiel, forcément, priorité, les gars. Gozorver, rapidement. Le meilleur support du jeu. Tout le monde a envie de l'avoir. Son passif totalement broken. Rank up. Permet de contrôler les jauges sur le terrain. Bref, les gars, c'est Gozorver, le meilleur personnage du jeu, ok. Merci, Iron. Tarmiel, l'un des meilleurs archanges du jeu aussi, hein, genre, il diminue les HP max des adversaires, il permet de tanker, il contrôle le terrain en enlevant les jauges. Avec cet aspect, il peut te one-shot tout le terrain maintenant, sans difficulté, même SP4 avec Margaret. Ok, Sariel, l'un des personnages les plus débiles du jeu, il one-shot tout le jeu, bref les gars, Sariel, hein, vous connaissez, incroyable, Jericho, Osef, Arthur, optimisation PvE les gars, pour le farming, forcément, The One, mon bébé, je le mets ici, tu sais quoi, The One, bah tu connais, hein, le meilleur DPS du jeu, pff, voilà, hein, rien à dire les gars, il one-shot tout le jeu, Parce que rien à dire les gars, c'est l'un des meilleurs personnages du jeu, donc forcément du jeu pardon, donc forcément tu vas le monter, Hélène on s'en fout, Lee c'est de l'optimisation démon, 80 ça suffit. AM forcément, priorité les gars, c'est ultra broken, ok Oslo. Même en Guild Wars les gars c'est nul hein. Honnêtement, ok Oslo les gars, ça dégage. Ok. Ouais ça dégage. Nanashi, Guild Wars. Estine Rouge, honnêtement les gars, en ce moment, si vous jouez H24 la team ban et que vous avez votre ban par exemple SP4 voire SP3, mais c'est plus un personnage orienté PVP, je le mets vraiment après les priorités. C'est un personnage assez intéressant, même en PvE, des fois tu l'utilises, ou même en Guild Wars, hein, tout simplement, elle est très très utile parfois. Un peu moins en ce moment, honnêtement les gars, mais c'est quand même un personnage assez intéressant, ok. Valentine. Valentine, les gars, honnêtement, je la mettrais ici uniquement pour le PvE parce que tu veux l'utiliser nulle part, malheureusement. Dereri bleu, je la mets en priorité, les gars. Dereri bleu, c'est un personnage ultra cheaté dans le jeu. Elle est extraordinaire, en vrai, je vais pas te le cacher. En PvP, très très intéressant. Je sais que mon ami Ace la joue beaucoup, ok? Très très forte, hein. Tu connais en Guild Wars, incroyable. En PvP, comme je t'ai dit, c'est un tank. Ok. En PvE, elle fait aussi le taf, elle est vraiment extraordinaire, je la mettrai ici. À la limite, si tu commences le jeu, peut-être ici. Mais si tu l'as honnêtement avec, par exemple, du The One, Gozorver, à priorité, les gars, elle est incroyable. Denzel, on s'en fout. Merlin Fest, forcément, les gars, priorité, elle est incroyable. Très très gros roxeur. Très très bon personnage, donc en démon gris, Guild Wars, PvE, PvP, elle est incroyable les gars, elle est incroyable. Donc ça c'est de l'optimisation, donc Béatrice optimisation BDG, ok. Ram honnêtement les gars, si vous avez Merlin, je la mets en priorité. Parce que vraiment, Merlin-Ram, meilleur combo du jeu, enfin c'est extraordinaire. Si t'as pas Merlin Fest, honnêtement je la mettrai ici, ok. Mais je la mets ici pour la vidéo, en vrai elle est extraordinaire. Rem, très très bon personnage, je la mettrai ici.
Utile en Guild Wars, utile en PvE. Forcément, Ram, tu l'as vu que c'est un personnage free-to-play. Tu peux la jouer quand même assez souvent avec Rem. Vraiment, c'est extraordinaire en PvE. Il y a moyen de t'amuser. En PvP, c'est pas non plus oufissime. Mais c'est vraiment au côté PvE, PvP. Donc PvP Guild Wars, pardon. Donc ouais, ok. Emilia, tout dépend ta spé, honnêtement. Si tu la spé 6, priorité directement. Si tu la spé 1, honnêtement, ne la monte pas en fait, ça sert à rien. Mais moi, pour la vidéo, je vais mettre ici en vrai. Parce que peut-être qu'il y a des gens qui ont Emilia spé 6. Enfin, des gens, des abonnés, pardon, excusez-moi. Des abonnés qui ont Emilia spé 6. Mais sinon, ouais, c'est directement ici. Jeanne verte, avant, elle était utile en farming. Maintenant, elle est plus trop utilisée. Je la mettrai ici en farming, les gars. Chandler, forcément, je le mettrai ici. En PvE, on l'utilise pas trop. En PvP, de moins en moins, je trouve. Mais c'est quand même un personnage très très. Non, tu sais quoi, à la limite, je le mets ici en vrai. Je peux pas le mettre ici. Genre, en vrai, quand je réfléchis, PvP, il est quand même utile. PvE, il y a moyen de faire des trucs. Guild Wars, ultra intéressant. Non, en vrai, non, les gars, Chandler, c'est très très fort en vrai. Hein. Même si tu l'utilises pas trop, c'est quand même un personnage assez intéressant, honnêtement, on peut se cacher. Zedris Fest. Après les priorités, après son buff, on va dire que le personnage est devenu ok tier. Enfin, ok tier A+, on va dire. Utile en Guild Wars. En PvP, ouais, ça dépend. Ça dépend, pardon. En PvE, tu peux faire des trucs. Mais c'est pas folichon, quoi. Jim Hopper. Pff, ok. La Victima, ça dragage. Tac, Illiven. Après les priorités. Personnage orienté uniquement PvE. Contenu où t'as envie de farmer quand même assez rapidement. C'est un personnage qui a une capacité pardon, à one shot. Très facilement. Mais ouais, c'est quand même très très intéressant honnêtement. Archer Excalibur, tout dépend si t'as bonne purgatoire. Mais je mettrai ici hein, forcément si t'as bonne purgatoire. De toute façon, j'ai envie de te dire, si t'es invoqué sur Archer Excalibur, tu dois avoir bonne purgatoire. C'est logique, donc on va directement ici. Forcément, tu connais, c'est le meilleur support de bonne purgatoire. Ban Purgatoire, c'est pareil, les gars, l'un des meilleurs personnages du jeu, donc forcément priorité. Je mettrai ici, tu sais quoi. Toi, on s'en fout. Tonnard, c'est uniquement de l'optimisation de démon pour de la CP à la limite, vu que c'est un sub. Ici, ouais, non, BDG, ça ne plus à rien. Élevé, c'est uniquement si tu l'as spécie, c'est orienté Guild Wars. Sigurd, forcément, je le mets ici. Personnage assez intéressant avec bah, tout ce qui est team AM. Dans les Guild Wars, on attaque avec AM extraordinaire. Vraiment, ce personnage, les gars, il est incroyable, Sigurd. Mais sinon, à part ça, on voit en PvP. Ça dépend, honnêtement. PvP, c'est fort. Si tu fight, on voit à bas level, c'est très très fort vu que les nouveaux joueurs ont tendance à pas trop connaître AM. Mais sinon, quand tu vas monter de rang. C'est pas folichon quoi. Ok, Roxy, on s'en fout. Elle, c'est plus du Guild Wars. Elle aussi. Ouais, je sais pas, elle. Ouais. Tu peux, en fait, quand tu commences le jeu, tu peux la monter honnêtement. Mais elle sera pas non plus utile de ouf. Hein. Quand t'as un gros joueur PvP, etc. Donc t'as la team du dossier. Vraiment, t'es bien monté. Je la mettrai ici. Mais pour un nouveau joueur, les gars. Ouais, c'est plus pour du PvE, hein. Elle est vraiment forte. Bon, Margaret, les gars, lol. Margaret, l'un des meilleurs personnages du jeu. Forcément, tu connais, hein, Margaret, elle est extraordinaire. L'un des meilleurs supports du jeu, après Gozor Vert. Elle fait tout. Si t'as regardé mes vidéos sur Margaret, tu sais très bien qu'elle est broken. Elle est utile partout, les gars. Hein. Guild Wars, PvE, elle fait le ménage chez toi. Enfin, elle fait tout, hein, genre vraiment. Ok. Incroyable. Cusack, les gars. Cusack, les gars. Cusack. ouais. Ouais. Cusack, ouais. En PV, tu peux pas. Tu veux faire quoi avec Cusack, en fait? Tu peux rien faire avec. Ouais, les gars, c'est compliqué. Ouais, non, tu sais quoi, je vais le mettre ici, hein. Tu peux le ramener en PvE, etc. Mais ouais, c'est pas ouf, honnêtement. C'est pas ouf. Toi, on s'en fout. Après les priorités. Elle, vraiment, les gars, elle est extraordinaire. Hein. En ce moment, il y a une team avec Margaret. Donc, Margaret, Gozorver, Jhan. Elle est ultra broken en Guild Wars. En PvE, tu peux aussi l'utiliser, pardon.
Enfin bref les gars, vraiment Jhan c'est extraordinaire. Ioni c'est plus de l'optimisation de CP mais c'est pas utile. DP c'est pareil. Dogedo lol, lui lol, lol, lol. Optimisation CP ça les gars. Elle Guild Wars. Elle aussi Guild Wars, merde. Guild Wars. Lui on s'en fout honnêtement. Uniquement pour son passif. Normalement tu dois connaître cette, cette Elisabeth. Ok, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Eliok, Eliok uniquement pour du BDG optimisation. Ok, l'AT c'est pareil, BDG. Escanor vert, optimisation les gars. Pour, par exemple, admettons que tu l'espécisses. Ok, pour le mettre en lien sur des personnages, vu que c'est l'un des personnages qui a le plus de CP du jeu. Enfin, il est dans le top en tout cas, maintenant il est plus trop top CP, tu vois, il est peut-être top 15, un truc comme ça. Non, pas top 15, je raconte n'importe quoi, peut-être top 12, un truc comme ça. Ou peut-être, ouais, non, enfin, ouais, je sais pas, je me rappelle plus, bref. Frieza, on s'en fout, Galen Blue, on s'en fout. Guild Bleu, c'est... honnêtement, les gars, Guild Bleu, c'est intéressant. Enfin, après, Guild Bleu, ouais, je sais pas, hein. On va dire optimisation, tu sais quoi. Guild Vert, pardon, j'ai dit Guild Bleu, je crois. Guild Bleu, c'est pareil, optimisation pour de la CP, pour le, tout ce qui est team Archange avec Margaret. L'Oxygène, on s'en fout, on s'en fout. Gozer Rouge, forcément, les gars, priorité, hein, personnage très très fort. Tu connais Gozer Rouge, Gozer Bleu, on s'en fout. Gozer Vert, on s'en fout. Optimisation CP, Griamor. Donc, ouais, bon, tu connais. Lui, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Ok, ok. Optimisation BDG. Pour qu'il tanque un peu plus sur... Ah mais non, en fait, Enek, on a plus besoin, en vrai, les gars. Vu qu'il y a ban, maintenant. Bon, tu sais quoi, je vais le laisser ici. Ok. Elbram. Elbram, optimisation aussi, c'est pareil. Elbram rouge, lol. Toi, nul. Toi, en vrai, tu peux... Enfin, Other, tu peux l'utiliser en farming. C'est ok quand tu commences ce jeu. Toi, on s'en fout. Hugo, on s'en fout. Jericho, uniquement pour les démons, les gars. Donc, démon Belmos. Ban, on s'en fout. Jericho, bleu, pareil. Démon rouge ou optimisation sub. Jericho rouge, ouais, pas besoin de la montée 90. Dijan, c'est pareil, pas besoin. On s'en fout. King bleu, c'est uniquement de l'optimisation pour le link de Gozer. King vert, c'est uniquement pour le démon gris. Encore, si t'as Merlin, tu vas plus trop utiliser, enfin, même plus du tout. Tu vas plus utiliser King vert de ta vie. On s'en fout. Tac tac. Lilia, les gars, Lilia verte, honnêtement. Je la mettrai. Optimisation pareil, hein. Genre c'est un sub en PVP, ouais, bon t'en as pas besoin. Lilia bleu, forcément. Après les priorités, les gars. Lilia bleu, personnage toujours. Non, en vrai, non, je sais pas. Est-ce que je la mets. En vrai. Le... En fait, c'est un personnage Guild Wars. Non, tu sais quoi. Vraiment orienté Guild Wars. Mais si tu. Si tu possèdes la team Penny. Honnêtement, je la mettrai ici. Mais pour un nouveau joueur, est-ce que t'as Meliodas, Omega Ruf, ouais, je sais pas les gars. Hein. Ouais, je sais pas hein, comment la noter. Hein. C'est quoi, je la mettrai ici quand même. Vraiment, je la mettrai ici. C'est quoi un personnage très très utile pour les nouveaux joueurs. Par exemple, t'as Lilia, le Meliodémon bleu, il est donné. Ok. Il est donné, le Other, en plus tu peux farmer avec du coup. Ouais, bon, en vrai, je la mettrai ici honnêtement. Marmas, optimisation, les gars. Ouais, mais la Skoula, on s'en fout. Lui, on s'en fout, même si c'est pour le lien de ban, on s'en fout. Ok. Melio, c'est uniquement... ouais, tu sais quoi, je mettrai ici, je vais pas en parler. Melio, démon bleu. Honnêtement, monte-le, c'est quand même un personnage assez intéressant pour les Guild Wars. Mais mon PV, c'est quand même fort, les gars. Hein. Parfois, tu utilises un peu la team Penny. Donc ça, je le mets un peu dans après les priorités. Mais c'est quand même un personnage assez intéressant, honnêtement. Il est pas mauvais. Voilà, il est pas mauvais, mais... En vrai, non, je le mettrai... Tu sais quoi, en vrai, je vais le mettre en PvE. En Guild Wars, forcément, t'en auras besoin pour la team PvE en défense. Mais... On va dire, de base, tu veux uniquement l'utiliser en PvE si tu fais pas de Guild Wars. En vrai, Lilia, je peux peut-être mettre pareil, en vrai, hein, du coup. Hein. Pouah, c'est compliqué, les gars. Ouais, c'est quoi, je vais mettre comme ça, ouais. Je peux me prendre la tête. Merlin, personnage qui permet de ult rush, donc forcément après les priorités. Personnage toujours très très intéressant.
Donc ouais, un bot je connais, Merlin verte hein, de toute façon. L'aile, on s'en fout, on s'en fout. Merlin bleu, c'est uniquement de l'optimisation si tu l'as spé 6. Billy Mosef, on Spitozef, Rimeru, ok. Slayer, démon, forcément. Optimisation pour tout ce qui est Ennec, etc. Même si tu vas plus l'utiliser si t'as ban, vu qu'ils ont édité quelque chose. Je devrais faire une vidéo d'ailleurs. Taizo, on s'en fout. Ban, on s'en fout. Twiggo, les gars, optimisation pour la tout ce qui est CP, BDG pour faire plus de points. Enfin, vraiment, les gars, Twiggo, personnage comme assez intéressant. Voilà, tu connais Twiggo. Valentine. Valentine, je vais dire, ouais, uniquement Guild Wars, on va dire pour le moment. Elle, on s'en fout. On s'en fout de toi. Guild Wars, lui, notre ami. Hop. Bellion, on s'en fout, il sert à rien. Hop. Donc voilà les gars pour la tier list priorité. Honnêtement, on a une bonne tier list. Je vais voir si je peux modifier des personnages. Monter quelques personnages. Démon, PVE. Tac, tac, tac. DP, Kubo, Akuza, qu'on voit, c'est difficile de le noter. Ok. Donc voilà les gars. Vidéo terminée. Vidéo. Donc des personnages à monter level 90. SA5 ou SA4, hein, peu importe, on va dire le SA5. Bon, tu le fais en dernier de toute façon, le SA, hein, tu connais. Bref, vidéo en tout cas pour les personnages level 90. J'espère que t'as kiffé cette vidéo. Petit tuto vraiment chill. Merci d'avoir regardé, vidéo comme assez longue, je vois 26 minutes 20 et 20 secondes. Je veux dire, sinon, ouais, bonne vidéo, les gars. Voici la liste. Donc, je vais descendre doucement. Voilà, si tu veux faire pause pour regarder. Voilà, donc merci d'avoir regardé, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche pour être au courant des nouvelles vidéos, moi je te souhaite une agréable soirée, bon appétit, je sais pas, bonne soirée, voilà, tout simplement les gars, je vous laisse, tchuss!